Bien-aimé, je vous invite à la prière. Balingami na bengi banso na losambo. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Onkombo ya Nzambe, Tata, Mwana pe Molimo Santo. Père céleste, Dieu miséricordieux, nous te sommes très reconnaissants ce soir. Tata likolo Nzambe amawa totondio botondi na poko ya lelo. Parce que toi tu es le maître des temps, tu es le maître des circonstances. Mpoyonde nkolo bileko pentango. Si nous nous sommes réveillés ce matin, c'est parce que tu l'as voulu. Et parce que nous sommes tes enfants, nous déposons le tout entre tes mains. Sois loué et glorifié parce que tu contrôles tout. Nous savons que tu as conçu un avenir meilleur pour nous. Nous savons que tu nous prépares pour pouvoir entrer dans ton royaume. Mais alors nous sommes encore sur cette terre où l'ange du malin est en train de nous déranger. Père, purifie-nous et sanctifie-nous. Tata, sanctisabiso pe sungabiso. Permet que nous soyons en mesure de recevoir ce qui vient de toi. Nous prions pour nos bien-aimés qui se sont rassemblés, ceux qui sont au loin et ceux qui sont auprès, ceux qui sont malades et ceux qui sont endeuillés, ceux qui sont dans des situations multiples que toi tu connais et nous ne connaissons pas. Père, allonge ta main au loin et au près. Et maintenant, Père, il est temps que tu puisses nous nourrir. Parle-nous maintenant comme un père parle à ses enfants. Permet que nous soyons en mesure de retenir ce qui vient de toi. Chasse tout autre esprit dérangeur. Entoure-nous seul de ton Saint-Esprit pour qu'il puisse nous diriger. Père, nous songeons nos bien-aimés de l'au-delà. Permets que eux aussi viennent se nourrir avec nous. Nous sollicitons l'union en prière avec notre apôtre de district et notre apôtre patriarche. Fais que l'unité de l'apostolat puisse prévaloir ici, Père. Et que le soutien en prière de tes serviteurs te soit agréable. Père, commence avec nous et termine avec nous. Plus que nos prières, Père, exauce-nous. Nous te prions au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien chers frères et sœurs, chers invités, partout où vous retrouvez en ce moment, je vous transmets les salutations de notre apôtre du district. Il nous aime bien et il continue à prier pour nous. Pour ce service divin, nous avons une parole tirée du premier épître de l'apôtre Paul aux Corinthiens. Nous allons lire le premier chapitre et le 26e verset jusqu'au 27e. Tokotanga na chapitre liboso mpe na verset nango ya 26. Okay. Considérez frères que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Bandeko bondima ete katina bino baye bon biangama batu ya bwanya mingi na nzoto bazalite ata baye batonda nguya to batu ya bozwi.
Jusque la bien-aimée prenne place et la chorale peut chanter. Bozo esika bongo bayembi nzembo bayemba. Chers frères et sœurs, chers invités, Balinga mibasi, pe mibali, pe babianga minabiso. C'est toujours bien de nous rassembler dans la maison de Dieu. Ezala kamala mutango yiso ko sangana na nda kwa tata na biso. Car pour nous enfants de Dieu, il n'y a pas un autre endroit qui peut remplacer le service divin. Mpoete pona biso bana na nzambe, ezane sika mosusu tele kitoko lokola nda kwa nzambe. Car c'est ici que notre Père céleste vient nous servir, il vient nous nourrir. Mpoete awande tatala biso likolo azoya mpoete ale sabiso mpe asali sabiso. Ce qui est mauvais, c'est que nous risquerions parfois, comme c'est un service divin en ligne, et que nous risquerions de prendre cela comme de la routine. Tango mususu tokozo ango lokola momesano. Cependant, c'est un moyen propice que notre Père Céleste a permis pour les conditions que nous sommes en train de vivre maintenant. Je vous en prie, bien-aimés, de pouvoir revaloriser ce moment. La parole de ce soir est assez compliquée, mais claire. Car il s'agit de l'apôtre Paul qui s'adresse à l'église de Corinthe. L'apôtre est en train de réclamer, il est en train de réagir. Parce qu'il n'était pas tout à fait d'accord de ce que les gens pensaient quant à ce qui concerne la proclamation de l'Évangile. D'un côté, il y avait les Grecs. Pour eux, pour proclamer l'Évangile, il faut que les gens soient instruits. Et aussi pour les Grecs, le message du sacrifice de notre Seigneur, pour eux, paraissait comme un message banal. Mpona bango maimatali nkolo na biso Yesu ezalaki lokola makambo ezanga ntina. D'autre part, il y avait le juif. Pour le juif, en tout cas, il fallait prouver que Christ était le Messie envoyé. Ngambo mususu ezalaki na bayuda mpona bango esengelaki kolakisa penza ya solo ete Yesu Christo azali mwana na Nzambe. C'est alors que l'apôtre Paul dira: ce qui est important, c'est d'être appelé, d'être élu par Dieu. On n'a pas besoin d'être
très instruit. Tozali nantinante ozala moto ya oyazui mayele belé na kelasi. On n'a pas besoin d'avoir même des honneurs terrestres. Tozampe nantinante ozaba lokumu ebelé na se ya moyi. Mais ce qui est plus important, c'est la vocation. Dieu appelle celui qu'il veut et quand il veut. C'est pour cela que l'apôtre s'est adressé maintenant à l'église de Corinthe. Il dit à l'église, regardez, parmi vous, il n'y a pas beaucoup de sages sur le plan charnel. Mais même pas des hommes très puissants. Même pas des hommes nobles. Comprenez que vous êtes une communauté à part entière. Mais vous vivez d'une autre manière. C'est bien que vous puissiez demeurer simple. Mais on ne dit pas que vous devez rester pauvre et non instruit. Mais seulement ni l'instruction, ni les richesses, ni les honneurs ne peuvent pas remplacer l'appel de notre Dieu. Alors d'autres personnes disaient, mais écoutez, la prédication est trop simple. D'ailleurs, il fallait beaucoup de miracles pour que les gens viennent. Mais pour l'apôtre Paul, le miracle ne vient pas avant la foi. Ce qui est important, c'est d'avoir d'abord la foi. Ce n'est que celui qui a la foi qui peut voir le véritable miracle. Bien-aimés, il y a un grand miracle qui nous attend. Le Seigneur revient bientôt. Nous allons vivre la résurrection de mort. Nous allons vivre la transmutation de ceux qui ne seront pas encore morts. Vous savez, bien aimé, parfois quand quelqu'un est malade, il pense que Dieu l'a oublié. Mais l'apôtre Paul dont nous parlons était malade. Il avait une écharde dans son corps. Mais il a dû prier au Père Céleste pendant 3 fois de lui enlever cette écharde. Cependant, c'est l'esprit du malin qui avait permis qu'il soit dans la mesure de ne plus prêcher, qu'il tombe malade. Savez-vous ce que Dieu a fait pour l'apôtre Paul? Il n'a pas exaucé sa prière. Il lui a dit, ma grâce te suffit. Il a dit, c'est dans la souffrance que ma force se manifeste. Il a dit, c'est dans la souffrance que ma force se manifeste. Bien, chers frères et sœurs, chers invités, si nous sommes appelés par notre Dieu, ce n'est pas parce que nous avons ceci ou cela. Ce n'est pas parce que nous sommes tel ou tel. C'est tout simplement parce que nous sommes couverts de sa grâce. Donc, c'est par grâce que nous sommes élus. Il faut donc que nous soyons conscients de notre élection divine. Si quelqu'un accepte, il est conscient qu'il est enfant de Dieu. Alors Dieu va pouvoir l'utiliser. C'est pour cela que Dieu t'a appelé, Dieu m'a appelé. Bien-aimé, il nous arrive qu'on appelle un enfant et cet enfant ne répond pas. Imaginez-vous combien de fois les parents sont déçus.
Mbalaboni baboti bayoka kampasi. Mais il y a aussi un enfant qu'on appelle, il répond maman, il répond papa. Et là mwana muso bengi mwana azulianoli tata to mama. Et cela réjouit les parents. Wana esengweto ndakala mitema baboti. Il arrive même que le papa ou la maman dise, j'ai même oublié pourquoi je t'ai appelé. Tango mususu tata to mama koloba na bosani kutu tina ni na bianga ki. Et finalement il dit là, ah voilà, va prendre telle chose, prends-en deux, trois, quatre fois. Sima ayeko kanisa na likamboni ni abengela ki ye. Savoir appeler, répondre à l'appel du Seigneur, c'est très important. Vous savez bien aimé Samuel, le fils de Anne. Bandeko Samuel mwana ya Anna. Il avait été confié au prophète Élie. Apesa makina nganga Nzambe Elia. Mais l'Éternel Dieu est venu appeler Samuel. Zambe ayeko bianga Samuel. Mais Samuel ne savait pas comment répondre. Et chaque fois qu'on l'a appelé, plus de trois fois, il a répondu. Il a répondu, mais voici. Mbalebele ayokaki libiangi abandeko yanola ngai yeyo mpo ayebaki moto azobianga ete. Il n'a pas pu dissocier que c'est Dieu qui l'a appelé. Akabola ki penza te koyebe te Nzambe nde azobianga ye. Il est allé chaque fois répondre à un homme qui est Élie. Mbala inso abandeko yanola kozonga bipai moto azali nde Elia. Mais Elia a pu orienter Samuel. Kasi Elia alakisaki lolenge kanya kosala. Il lui a dit écoute Samuel. Ayebisi ebo yoka Samuel. C'est Dieu qui t'appelle. Eza Nzambe azobianga yo. Cette fois-ci s'il t'appelait. Sika wasoki abiangi yo. Ne dis pas me voici. Koloba lisusu te ete ngai yeyo. Dire Seigneur parle ton serviteur écoute. Loba ete nkolo loba. Bien chers frères, bien chères sœurs, chers invités. Est-ce que vous êtes conscients que c'est Dieu qui vous a appelé? Vous qui êtes dans la chorale. Vous qui êtes moniteur de l'école du dimanche, monitrice. Vous qui êtes encadreur de la jeunesse. Est-ce que vous savez que vous avez un don particulier pour lequel Dieu vous a appelé? C'est ça votre vocation. Alors il faut savoir répondre. Répondre à Dieu, c'est se mettre en action. Faire évaluer les dons et talents qu'il a placés en vous. Alors chers frères et sœurs, tout ce que nous le faisons parce que Dieu l'a voulu. C'est pour cela, bien-aimé, que nous devrions être en mesure de revaloriser nos dons et talents. Vous savez, quand on parle de la foi, qu'est-ce qui est arrivé à notre Seigneur? À un certain moment, il semblait avoir échoué dans sa mission. Hein? Parce que du coup, les disciples l'ont quitté. Et du coup, il est arrêté et mis à mort. Là, c'était une grande déception, bien-aimé. Pourquoi peux-tu arrêter le Fils de Dieu de la sorte et l'humilier? Alors là, il fallait maintenant que la foi seule puisse agir. Et Dieu a aidé finalement que le Seigneur soit ressuscité. Mais même s'il est ressuscité, qui peut croire à tous ces événements, tous ces miracles? S'il n'a pas la foi, d'abord la foi et les miracles après. C'est pour cela, bien chers frères et sœurs, que nous devons tout faire pour accepter ce que Dieu demande, ce qu'il fait maintenant. Et mettre tout cela en ligne de notre préparation pour le salut. Parce qu'une nouvelle créature doit être préparé en nous. Le Saint-Esprit est en train de créer une nouvelle existence.
Par la parole de Dieu, nous devions nous parfaire. Alors, si nous gardons notre foi, nous allons vivre le miracle de la résurrection. Encore une fois, bien-aimés, songez à votre vocation. Regardez l'appel de Jérémie. Il était un enfant, il ne savait pas parler. Mais il a été envoyé. Dieu lui a dit, je te connaissais déjà dans le ventre de ta mère. Il a répondu et il a agi. Regardez l'appel d'Abraham. Lui aussi ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Il lui avait été demandé même de quitter son père et mère, de quitter son peuple, d'aller ailleurs. Et Dieu l'avait mis en confiance. Tout simplement parce qu'il a, reconnu Dieu en son appel. Regardez même Moïse. Il avait été appelé pour sauver le peuple juif de l'Égypte. Malgré qu'il avait résisté plusieurs fois, il a pu répondre finalement. Alors ce qui est important, ce n'est pas notre situation sociale. Ce qui est important, ce n'est pas notre instruction naturelle. Ce n'est pas par notre puissance terrestre. Mais ce qui est important, c'est reconnaître la sagesse de Dieu par la vocation. C'est de cette manière-là, bien-aimé, que si nous tenons bon dans notre vocation, bientôt nous allons vivre le retour de notre Seigneur. Et l'ennemi de Dieu est en train de nous faire reculer. Il détourne notre attention de l'essentiel pour nous faire voir l'accessoire. Ce qui est important, c'est que Dieu existe. Ce qui est important, c'est qu'il a envoyé son fils Jésus. Le Seigneur Jésus s'est sacrifié, il est mort, il est ressuscité. Il est allé nous préparer une place, il reviendra nous prendre. Il a mandaté les apôtres. Les apôtres sont en train de soutenir l'œuvre du Seigneur. Ils ont mandaté les serviteurs. Le Seigneur revient bientôt. Et nous devons nous préparer pour faire grandir la nouvelle nature en nous. Et nous devons prendre conscience de notre filiation divine. Le Seigneur revient bientôt. Amen. Amen. Bien chers frères et sœurs, chers invités, ce soir je ne suis pas seul. Nous sommes avec l'apôtre François Kankonda, que j'ai toujours appelé cher confrère. La chorale peut ouvrir la voie et l'apôtre François va nous servir. Oh,
frères et sœurs en Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Nous nous devons de remercier notre Père Céleste pour nous avoir invités à ce service divin. Ce jour, le Saint-Esprit nous rappelle notre vocation. Notre mission est de confesser notre foi en Christ dans le monde. Et d'annoncer son message. Ce message, qui doit-il l'annoncer? Étant entendu que dans ces communautés anciennes, il n'y avait pas de gens suffisamment instruits. Il y avait généralement de gens simples et pauvres. Et pourtant, les Saintes Écritures nous disent que le message de Dieu est inspiré de lui-même. Et ces Saintes Écritures nous disent que ce message est utile pour enseigner et convaincre. Il est utile pour corriger et instruire dans la justice. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et parfaitement accompli. Et maintenant, on a des gens simples, des gens pauvres. Par qui ce message de Dieu doit être annoncé et enseigné? Alors, comme Dieu ne considérant pas la sagesse du monde comme étant une folie devant lui, il a choisi les pauvres aux yeux du monde pour que ces pauvres enseignent. Il a choisi ces pauvres aux yeux du monde pour que ces pauvres deviennent riches en la foi. Pour que ces pauvres deviennent l'héritier, les héritiers de son royaume. Et le royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment et à ceux qui vont l'aimer. C'est ainsi que Jésus-Christ a loué son Père en disant: je te loue pour avoir caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et de les avoir révélés aux enfants, à ces pauvres. Maintenant, que faire quand un pauvre vous apporte un message? Il suffit seulement de l'humilité. Parce que les Écritures saintes nous renseignent. Si quelqu'un pense être sage et intelligent, il doit montrer ses œuvres. Des bonnes œuvres et dans la douceur de la sagesse. Et lorsqu'on est sage, on peut écouter tranquillement la sagesse divine au travers de ces saintes écritures. C'est ainsi que Paul en a parlé à Timothée. Tu connais les Saintes Écritures. Elles doivent te rendre sage par la foi en Christ. Frères et sœurs en Christ, ne soyons pas complexés. Nous sommes le porte-étendard de l'évangile de Christ. Parce que nous sommes des tenteurs de cet Esprit de Dieu. Qui doivent nous pousser à annoncer
le message de Christ au monde. Quel que soit notre rang social, nous devons toujours tout faire pour que ce message de Christ soit enseigné et que nous puissions convaincre le monde. Que Dieu nous accorde de plus jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés, chers frères et sœurs, chers invités. Balinga mibasi pe mibali mpe babianga minabiso. C'était bien d'avoir notre apôtre. Lala ki malamu koyoka ntoma na biso. Souvent les gens ne savent pas pourquoi Christ nous a appelés. Ebele bayebaka te mpona nini nkolo abiangi biso. Il nous a appelés pour entrer en communion avec lui. Abiangi biso yambo mpote tokota na bomoko na ye. Il nous a aussi appelés pour le servir. Il nous a aussi appelés pour servir le prochain. Et nous allons servir le prochain maintenant à partir de cette terre. Et aussi nous allons servir le prochain dans le millénaire de paix comme sacerdoce de Dieu. Alors maintenant, parce que nous sommes encore sur terre, regardons tout autour de nous. Comment est-ce que je sers mon prochain? Comment puis-je servir mon prochain et le haïr au même moment? Comment je peux servir mon prochain et le discriminer au même moment? Bien-aimés, nous devons nous aimer les uns les autres. C'est même la loi de Dieu. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu. Et puis tu aimeras ton prochain. Faisons un effort, bien-aimés. Nous sommes nombreux dans l'œuvre de Dieu. Nous sommes nombreux dans la créature de Dieu. Chacun a son caractère. Moi, je peux haïr quelqu'un. Mais Dieu, son Père, ne va pas aussi le rejeter parce que moi, je ne l'aime pas. Faisons un effort d'accepter aussi que les autres aussi sont appelés par Dieu. C'est dans l'amour sincère que nous serons en mesure d'être réunis autour de notre Seigneur bientôt. Puisse l'Éternel vous bénir. Zambe mpe nkolo na biso apambo la bino. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes maintenant au sommet de ce service divin. Balinga misika tokomi na ngomba songe ya losambo na biso. L'une des choses que nous dont nous bénéficions dans l'église, c'est d'avoir nos péchés pardonnés. Moko ya likambo tozwa kana kati eklese ezali komona masumu na biso kolimbisama. Nous devrions donc reconnaître nos péchés. Savoir reconnaître ses péchés, c'est savoir rester calme devant l'Éternel, notre Dieu. Et savoir interroger notre cœur. C'est savoir ne pas chercher les raisons, savoir ne pas chercher à s'expliquer. Rester calme, c'est aussi ne pas rejeter la responsabilité sur l'autre. C'est savoir s'interroger soi-même. Et chercher à se mettre en ordre avec son Dieu. Ce n'est que de cette manière que le Seigneur s'approchera de nous et il va nous pardonner. C'est pour cela que nous allons chanter ensemble pour la repentance. Thank you.
vous invite à vous lever. Nous allons dire la prière que notre Seigneur nous a apprise. Si karasemi banso totele mabongo tolobalo sambolo ye nkolo na biso ayekwisaki biso. Prions. Tobondela. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce le remessage. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, vos péchés vous sont pardonnés. Et que la paix du ressuscité soit avec vous tous. Amen. Amen. Père céleste, Dieu miséricordieux, sois loué et glorifié pour tous tes bienfaits. Merci d'avoir pardonné nos péchés. Merci d'avoir permis que nous puissions écouter la parole. Père, demeure au plus proche de nous le plus longtemps possible. Tata, oumela pele na biso tango molayi. Abrège le temps et envoie ton fils nous prendre. Komisa mikolo mukuse tinda mwana yo Yesu kozwa biso. Donne-nous la force de nous tenir debout. Pesa biso bokasi ya koumela kotelema. Et de ne plus retomber dans les mêmes péchés. Mpeto kweisa malisute na masumu moko moko. Exauce-nous, Père, nous te prions. Ndimela biso tata tobondeli yo. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Okombo ya mobikisi na biso Yesu Christo. Amen. Amen. Bien-aimés, nous allons terminer le service par la prière. Balingami tokosukisa losambo na kobondela. Père céleste, Dieu miséricordieux. Zambe tata na biso likolo Zambe ya mawa. À la fin de ce moment, nous te sommes très reconnaissants. Nasuka ya ntango oyo totondi obotondi. Merci d'avoir commencé avec nous. Matondo mpo tobandaki na biso. D'avoir commencé avec nous et d'avoir cheminé avec nous. Otamboli longo na biso. Merci de terminer avec nous. Matondo mpo tosilisi longo na biso. Écoute maintenant les prières de tes enfants. Yokalo sambo ya bana na yo. Nous avons des malades parmi nous. Tozali na babeli kati na biso. Nous avons aussi de ceux qui sont endeuillés. D'autres qui sont dans des voyages loin de leur famille. Père, allonge ta main au loin et au près. Interviens pour chacun. Regarde cette pandémie qui est en train de frapper le monde. Permets que Père, que les solutions soient trouvées. Et que l'économie puisse redémarrer. Regarde notre pays. Nous avons besoin de la paix. Nous te recommandons les autorités pour une bonne prise de décision chaque fois. Et que ces décisions puissent continuer à protéger le peuple. Père, n'oublie pas le veuf et le veuf. N'oublie pas les orphelins. Ceux qui sont dans des difficultés de tout genre. Ceux qui ont perdu le travail. Ceux dont les activités personnelles sont arrêtées. Ceux qui ont perdu leur être cher. Essuie les larmes. Et donne réconfort. Bénis aussi les offrandes de tes enfants. D'une manière ou d'une autre. Bénis tous leurs sacrifices. Envoie notre Seigneur nous prendre. Nous nous lions en prière à notre apôtre patriarche, notre apôtre du district. Écoute les prières de tes serviteurs et de tes enfants. Exauce-nous, Père, nous te prions. Au nom de notre Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit
soit avec vous tous. Bonzenga yankolo na biso Yesu Kristo bolingo ya Nzambe Tata pe bokangemi na moyo mosantu etikala na banso. Amen. Bien-aimés, je vous prie de prendre place. La chorale va chanter un dernier cantique. Balinga mibozo esika po fanda sika bayembi anzembo bakoyemba pona kusukisa losambo. Yellow shalem amusantum.